Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 janvier 2023. J'enregistre donc tard cette vidéo car ce soir, nous avons eu une soirée très 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 plaisante. Nous avons fêté la fête des rois. Malheureusement, ni Fabienne et moi avons croqué dans la fève qui nous aurait impatronisé roi ou reine. Et nous avons rencontré des gens que nous ne connaissions pas. Et on a vraiment rigolé. C'est assez étonnant que des inconnus, qui a priori, en fait, oui, on avait des points communs, dont celui d'avoir le sens de l'humour et le sens de la répartie. Alors, ça a été une fort belle soirée et c'est pour ça que cette vidéo, je la commets plutôt tard. Et même, non, je n'aurais pas voulu manquer notre rendez-vous. Alors, ce que je vais vous montrer, une curiosité à la fois bibliophilique, et qui peut-être, qui sait, pourrait faire avancer, est-ce prétentieux que de l'avancer, les études consacrées à Alfred Desrochers. Alors, c'est quoi? C'est Victor Hugo, Les Contemplations, un exemplaire qui a appartenu à Alfred Desrochers, cet incroyable poète québécois. Tenez, je vous montre l'ex-libris. Il l'a écrit comme ça sur la première page. Il l'a écrit également sur la page couverture, Alfred Desrochers. Alors, il tenait vraiment à son exemplaire de Victor Hugo. C'est publié aux éditions Nelson. Alors, je vais vous montrer. Tenez encore. Il a souligné la fête chez Thérèse à la page 66. Alors, je vais vous lire les tout petits passages qu'il a notés. Et quand je dis que ça pourrait peut-être faire avancer les études consacrées à Alfred Desrochers, c'est est-ce qu'on peut retrouver chez ce poète une influence hugolienne? J'aurais tendance à penser que oui. Ou ce soir, je n'aurai pas le temps, mais demain, je vais m'amuser à faire une recherche Google pour mettre en parallèle les phrases soulignées par le poète ainsi que celles de Victor Hugo. Évidemment, je pourrais avoir recours à ChatGPT, qui lui est un logiciel d'intelligence artificielle qui va très certainement clasher avec Google. Parce que Google va nous donner des pages, il va nous donner des références de pages. Tandis que ChatGPT, lui, il répond à nos questions. Et c'est un appareil assez. C'est un outil assez saisissant, quand même. Moi, je vais poser toutes sortes de questions. Bon, on annonce que dans quelques mois, les informations qu'il a colligées datent de 2021, mais on annonce dans quelques mois que sa puissance va être augmentée de 20 fois. Et cela pourrait peut-être remettre en cause le monopole qu'a Google. Alors, la vie au champ. Chacun a quelque chose dans l'esprit et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Je nommais le cochon par son nom, pourquoi pas? Une drôle d'annotation, ça, mais bon.
Car le mot, c'est le Verbe, et le Verbe, c'est Dieu. Morte et transfigurée, et je vous dis, poète. Jeune amour, si vite épanoui, vous êtes l'aube et le matin du cœur. Charmez l'enfant, extase inouïe, et quand le soir vient avec la douleur, charmez encore nos âmes éblouies, jeune amour, si vite évanoui. Beaucoup, beaucoup de passages à noter, alors je ne vous les lirai pas tous ce soir. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. La seconde âme en nous se greffe à la première, toujours la même tige avec une autre fleur. Suis-je a toujours rivé dans l'imbécilité. Au lieu de s'étoiler, le ciel se fleure de lys. Et j'ai dit, texte, Dieu, contresens, royauté. Et les premiers courroux de mes odes imberbes, j'ai vu le loup mangeant l'agneau dire « Il m'a nui ». C'est la lueur de sang qui se mêle à l'aurore. Les révolutions qui viennent tout venger font un bien éternel dans leur mal passager. Quand le pied des méchants passe et courbe la tête du pauvre partageant dans l'auge, avec la bête. Les mondes sociaux heurtent leurs équateurs. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble, je vais vous montrer pour que vous puissiez en juger par vous-même. Voilà les annotations d'Alfred Desrochers. Dans son exemplaire, les contemplations de Victor Hugo. Ça demeure pour moi extrêmement émouvant et important, vu l'importance de ce gigantesque poète qu'est Alfred Desrochers, de tenir entre ses mains un exemplaire qu'il a lu amoureusement, qu'il a annoté, qu'il a sans doute également médité, et vraisemblablement, comme les poètes de ce temps le faisaient, il a sans doute appris par cœur certains vers. Et sans doute, cette poésie qui était dite, qui était écrite pour être mémorisée, qui était faite pour être intégrée, je dirais même au corps et à la voix de l'amoureux, ça demeure une des caractéristiques, un des attributs de la poésie telle qu'on la concevait jusqu'à les années 40, peut-être. Et il est très annoté. Alors, voilà. Le dernier passage. Je le voyais parfois, dès l'aube, sur un banc, s'asseoir, tenant un livre. Je sentais, j'entendais l'ombre autour de lui vivre et chanter dans les bois.
Il lisait, puis dormait au baiser de l'aurore. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.